j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Ça va être une vidéo, enfin plusieurs petites vidéos à la suite. C'est pour un haul. Donc on va déjà commencer par comment on appelle? Comment on dit? Je ne sais plus. Vincennes Créative. Donc, j'avais été à Nose et j'avais trouvé ce tampon qui me plaisait beaucoup. Et j'aurais bien voulu avoir deux autres, celui-ci et celui-ci. Et du coup, je les ai commandés. Donc, d'abord, j'ai commandé celui-ci sur Vincennes Créative. Il n'y avait pas l'autre. Donc, j'ai commandé sur notre boutique. Je vous le montrerai quand je le recevrai. Donc, il est comme ceci. Voilà, bon, avec les plastiques, c'est pas évident de le montrer. Mais voilà, il est trop beau. En fait, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y avait pas à Noz. Et j'avais vraiment trop envie de les acheter. Et au final, ils étaient 3 euros plus que Noz. Attendez. Je raconte pas de bêtises. À Noz. Ah non, 3,50. Ouais, à peu près 4 euros de plus que Noz. Sur cette boutique. Hein. Cette boutique ou sur l'autre, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. À une autre boutique, c'était un petit peu plus cher, mais c'était 8 euros et quelques, un truc comme ça. Bref, je ne sais plus exactement les prix. Ensuite, j'ai pris sur la fourmi créative. Attendez, je vais sortir. J'ai pris. Ah, j'ai pris plusieurs choses. Pas beaucoup, hein. Je voulais un pinceau et du coup, voilà. J'ai pris ce tampon de Holland Create. Il est trop beau. En fait, je l'ai pris en deux fois parce que il est pour moi et pour une copine aussi. Donc voilà, c'est un petit renard. Enfin, moi, je trouve que ça ressemble à un renard ou un chien, je ne sais pas. Raccoon, renard? Non, raccoon, c'est quoi raccoon? Raton laveur. Tiens, je croyais que c'était un renard. Je crois que c'est un raton laveur. Bon, je sais pas, en tout cas, ça ressemble à un renard. Donc, moi, j'ai bien aimé, je l'ai pris. C'est le 225. Donc, j'ai pris deux, un pour moi et un pour une copinette. Donc, voilà, ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris de la colle, on verra bien. Je vais tester. Bon, par contre, c'est dommage, derrière, c'est pas marqué en français. Mais bon. C'est un stylo colle de la marque Nuvo. Parce que. Bon. Si vous regardez mes vidéos, vous connaissez tous mes problèmes avec la colle. Donc là, c'est une colle en bâton, comme ça, pointe médium. Donc à voir, je vais tester, je verrai bien. Et j'ai pris la même chose, comment dire, oh, je vais y arriver. Un roller, là, je sais comment on appelle. Voilà. Donc, on va voir si c'est bien. Je sais pas par contre s'il est rechargeable. Normalement, oui. Ouais. Donc, on va tester cette colle. Après, le stylo colle, bon, ce sera bien pour les petits détails, mais j'aimerais trouver une colle en tube, mais une bonne colle. Celle-ci, elle est bien en soi, mais elle coule beaucoup trop vite. Même, voilà, vous la posez, elle continue de couler. Et celle-ci, bah, c'est le contraire, elle coule pas en fait. Donc, regardez, même, elle descend même pas. En fait, je crois que ma colle, elle a un problème. En fait, elle doit être plus bonne, je sais pas. Parce que même là, elle descend pas. Bon, bref. Donc j'ai pris ces colles, mais j'aimerais trouver une marque, une bonne marque de colle comme ça, je sais pas. Voilà. Et ensuite j'ai pris des pinceaux aquarelles. En fait, il y en a 10. Donc c'est quelle marque? Simply. Bon, il n'y a pas de marque. Daler Roney. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est dans un tube comme ça. Vous avez 10 pinceaux. Donc vous avez quoi? Poils synthétiques, bien sûr. 0, 2, 4, 8 ronds. 6 langues de chat.
4-10 brosse à ombre plate. 3-4 lavis plat. 3-4 amande. Et 2 éventail. En fait, moi j'ai acheté, c'était pour l'éventail. Mais au final, il n'est pas du tout de la taille que je veux. Il est tout petit. Moi, j'aurais voulu un plus grand. Mais bon. Après, il faut que je regarde bien. 2. Deller René. Ça, c'est les ronds. Ok, merci. Flatouage. Il faut que je regarde ce que ça veut dire. Parce qu'en anglais, je comprends pas. Alors, les ronds. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est éventail. On n'est pas sorti non plus. Rond. Ronde. C'est rond. De toute façon. Je vois rien. Rond. Ouais, bon, je regarderai tout ça. Voilà. Bon, écoutez. Je ne clôture pas cette vidéo parce que j'attends donc un autre tampon. Le troisième de la série. J'attends des crayons de couleur. J'attends une commande AliExpress. Donc, ici, je ne sais pas, je verrai. Alors, on se retrouve pour la suite du haul. Donc, j'ai été vite fait à Cultura parce que je voulais un pinceau éventail. Donc, je l'ai payé 5,49 €. Voilà. Et j'ai repris ceux-là. Ben, ceux-là, je les prends toujours. Dès qu'ils ne vont plus, je les reprends. Les Faber-Castell SFMB. Donc, c'est 0,3, 0,5, 0,7. Et B, c'est une pointe plus épaisse, en fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Et ça, c'était 6,99 €. Ils étaient en promo. Normalement, ils sont à 10 et quelques. Donc, c'est pas donné. Voilà. Je suis allée à Action, mais alors là, je vais vous dire, j'ai pris rien. Parce que comme d'habitude, il n'y a rien. Il n'y a que du vieux truc périmé. Bon, j'ai pris une rallonge parce que j'en ai besoin pour brancher mon pistolet à colle. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'aller là-bas de l'autre côté. Bref, ça, c'était 6,79 €. Elle fait 5 mètres. Ensuite, j'ai pris ces petites suspensions. Sur le thème de l'automne, donc on a des hérissons, des écureuils, des renards, des champignons et des feuilles. C'est en bois, c'est pas évident à placer, hein. C'est lourd, mais bon, on peut essayer de faire quelque chose avec. Donc voilà, j'ai pris ça et ensuite j'ai pris un bloc de papier. Avant, je les aurais tous pris. Toute la collection, mais là il y avait celui-ci qui me plaisait. Il était à 2,69 €. C'est Garden of Flower. Donc il est dans les teintes de vert. Vous en avez certains où il y a du foil. Moi je suis pas fan de ceux avec le foil, mais bon. Et voilà, c'est sur le thème de la nature. Ils sont très très beaux. On a des jolies cartes aussi. J'aime beaucoup, c'est très très beau. Donc voilà, j'ai pris juste celui-ci, les autres m'emballaient pas. Et ensuite j'ai donc je vous ai expliqué en début de vidéo là l'histoire du tampon que j'avais trouvé à Noz. J'en avais trouvé qu'un de la collection et moi j'avais envie, il y en avait 4 et il y en avait 2 qui me faisaient très très envie. Donc du coup je les ai commandés. Voilà. J'avais commandé le premier que je vous ai montré. Et le deuxième, mais sur une autre boutique. Parce que sur la première boutique, il n'y avait pas. Donc là, c'est la boutique. C'est Manoé. Manoé. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je vous mettrai en barre de description. M'énerve ce truc. Donc, c'est celui-ci. Avec le petit bonhomme comme ça, là. Et tout est tâche. On a quoi, ouais. My Atelier, Inspiration et plein de zigouigoui, des tâches, etc. Donc voilà, je suis contente. J'ai les trois que je voulais, je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris ce petit tampon All on Create. Steampunk. Il est trop trop beau.
Moi, j'aime bien. C'est le 472. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors là, je croyais... je croyais que c'était des die cuts fins. Fins, comme d'habitude. Mais en fait, c'est très épais. Donc, c'est les die cuts Cire Vagabond de Stamperia. Et je pensais que c'était plus fin. Ils sont hyper épais, mais bon. Ils sont juste magnifiques. Regardez. Après, il faut aimer le style steampunk. Vous avez des ailes. Vous avez des mots avec des boussoles. Vous avez ce... Moi, je l'ai pris surtout pour ce personnage. C'est lui que j'ai vu en premier et je le trouvais trop, trop beau. Voilà, vous avez des montres à bousser. Enfin, voilà, le style... Pardon. Le style steampunk. Hein. Regardez celui-ci, magnifique. Vous avez des rouages, des horloges. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais quelques-uns. Un village. Voilà. Moi, j'aime bien. J'adore. Regardez celui-ci, trop, trop beau. Trop, trop beau. Voilà, bah écoutez, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a énormément. Par contre, celui-là, je trouve qu'il fait bizarre dans le... Parce qu'il est bleu et tous les autres sont plus sépia. Mais bon. Regardez comme c'est beau. J'adore. Trop, trop beau. Donc, je les voulais parce que j'ai fait une carte... Mais j'ai... Enfin, non, pas une carte, j'ai fait un tag et je voulais mettre dessus, mais j'ai reçu trop tard. Donc, j'avais déjà fait mon tag. Donc, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Et ensuite, j'ai pris... ce pochoir. Voilà. Je crois qu'il y en avait à Noz de la collection. Mais moi, je ne les avais pas trouvés. Mais je les ai vus dans... Dans des hauls. Et moi, je voulais celui-ci avec les chiffres. Il est trop beau. C'est pareil. Hein, c'est la même collection que les tampons que je vous ai montrés là. Artiste Atelier. Et il y en a plusieurs. Il y en a 3, 4, 5. Ils sont tous beaux. Hein, mais bon, j'allais pas tous les prendre. J'ai quand même déjà craqué pour les tampons. Je me suis dit, je vais prendre juste celui-ci de pochoir. Parce que j'aimais beaucoup. Et en cadeau, j'ai eu... une petite planche de mousse 3D comme ça. Voilà, c'est trop sympa. Moi, c'est fin. Voilà, c'est pas souvent qu'on a des boutiques qui font des petits cadeaux. Donc là, franchement, c'est super sympa. Donc voilà, écoutez, je dois encore recevoir une commande de AliExpress. Mais je ferai un autre haul parce que là, ça va faire je sais pas combien de minutes. Donc on verra. Je verrai. Voilà. Bah écoutez, on va en terminer ici. Et je ferai un autre haul pour ma commande de Ali. Voilà. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.